Tanglamar, mobilisation du ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures. Le Fouktan Ambatkaranan, où se situe le siège du ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, a été choisi par ce département pour l'initiative Tanglamar aujourd'hui. Le personnel du ministère et des organismes rattachés, ainsi que des représentants de ce Fouktan, se sont mobilisés pour assainir les localités et sensibiliser les habitants. Curage des canaux, débroussaillage, sensibilisation des commerçants le long de l'axe menant à Panjinoum vers Ambatkaranan et Avaradou, telles ont été les activités entreprises par le ministère en collaboration avec le Fouktan et le SAMVA. Étant en charge de l'assainissement et de l'hygiène, le ministère a le devoir de piloter les différentes activités d'assainissement. En tant que leader du secteur assainissement et hygiène, le ministère participera à la préservation de la propreté du Fouktan, a déclaré le ministre Fundi Ndiamang. Il a par ailleurs exhorté tout un chacun à utiliser des toilettes et arrêter la défécation à l'air libre. À cet effet, de nouvelles toilettes publiques seront construites. Le ministère prévoit également de renforcer les capacités de la communauté pour la sensibilisation en matière d'hygiène et d'assainissement. Une démarche qui se fera désormais de façon mensuelle. Le ministre lance aussi un appel à toute la population malgache à participer à des activités Tanglamar dans leurs Fouktan respectifs pour montrer leur engagement en tant que citoyens responsables et leur amour de la patrie.